Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, oui, je vous ai dit qu'il allait avoir un vlog à ma maison du Ken. Donc là, c'est là où je le... Donc ma maison du Ken, elle est pas ici, elle est pas au bord de la mer. Au contraire, elle est assez loin, la maison du Ken. Bon, je viens ici parce que c'est pas très loin, mais elle a à peu près 40 minutes de route, on va dire. Ouais, voilà, c'est pas très très loin, 40 minutes. Mais voilà, donc là, c'est la plage. Donc voilà. Parce que c'est rien à voir avec mon appartement, on peut y aller à pied à la mer. Vous l'avez vu de toute façon, hein. On peut y aller, on met que 5 minutes pour y aller de côté de mon appartement. Mais là maintenant on est avec la famille, pas moi tout seul, mais voilà. On est là devant. Après la nouvelle, mais c'est à côté de. Enfin, c'est dans l'autre, donc c'est là où on va d'habitude. Hein. À part quand on est au Cap d'Agde, mais sinon c'est ici. Donc là je suis bien rentré du Cap d'Agde hier soir. J'aurais dû faire un vlog dans la voiture, mais j'ai tout oublié. Enfin, j'ai oublié de filmer, c'est trop tard. Non, ça voilà, ça, c'est pour la nouvelle. Donc, je sais pas si vous connaissez une abonnée. Donc, c'est une abonnée à moi. Qui ne connaît pas, mais une abonnée qui avait déjà fait une vidéo, pas un vlog, mais une vidéo. Bon, c'était pas un vlog, on délirait tout. C'est une vidéo. On m'a dit pour présenter pour la nouvelle, mais sinon, enfin, pas présenter pour la nouvelle la ville, mais présenter la mer. Mais elle parlait pas beaucoup, mais sinon, c'était une belle vidéo assez. Elle a été. Regardez sa vidéo, voilà. Voilà, c'est une ancienne vidéo de sa chaîne, enfin ancienne, il y a pas très longtemps qu'elle a été, mais elle a été mis fin juin en ligne, donc déjà un mois pratiquement, hein. Voilà, un mois, presque deux mois maintenant déjà. Donc la belle plage là-bas, le point blanc là-bas, c'est la voiture de ma tati. Voilà, là-bas il y a un camion qui fait de la pub, hein. Voilà, là-bas la colline, la cimenterie. Voilà, pour la nouvelle, il y a une énorme cimenterie. C'est aussi connu pour la nouvelle, pour la cimenterie. Et puis pour la nouvelle, comme son indique, pour son port. Alors c'est un port de plaisance, il y a un port de plaisance bien sûr. Mais il y a des ports avec des gros cargos. Il n'y a pas les bateaux de croisière. Alors, ça y est, les bateaux de croisière, les bateaux de croisière avec les gens, les trucs, les bateaux de luxe et tout. C'est des bateaux cargo, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a un grand phare, que le phare est énorme là-bas. Voilà, là il y a des. Là-bas, là on est dans un endroit calme, que là-bas il y a la ville. C'est blindé en ville, regardez, c'est blindé. Il y a une espèce de girafe au loin. Le drapeau est jaune comme la. Le drapeau est jaune, je vais vous dire. Bon, c'était hier qu'on a fait la vidéo. Enfin, pas hier, mais la dernière fois qu'on a fait une vidéo à la plage, et tout ça, quand il était jaune. Mais le drapeau était rouge, mais il était jaune. Pourtant, c'est pas qu'il était jaune, mais pourtant, l'eau, elle était super agitée, la mer. Mais il était jaune, c'est ça qui est bizarre. Mais là, aujourd'hui, il est jaune parce qu'il y a un vent de terre. En fait, quand il y a du vent tout court, en fait, au début, je pensais que c'était que le vent de terre. Et côté un vent tout court, en fait, côté un vent de mer ou un vent de terre, ben c'est drapeau jaune. À part bien sûr quand les vagues sont énormes et que ça devient trop dangereux de les mettre drapeau rouge. Mais quand c'est vent de terre ou vent de mer, ben c'est drapeau jaune, c'est pareil. Voilà. Au loin, il y a des éoliennes, il y a plein de choses. Excusez, je sais pas si vous m'entendez, mais il y a encore autant de vent, mais avant de terre, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de vagues. Enfin, voilà, c'est la mer est calme aujourd'hui. Mais elle est très froide, l'eau, elle est vraiment froide par rapport au Cap d'Agde. Enfin, au Cap d'Agde aussi, je pense qu'elle est froide parce que c'est. Enfin, on n'est pas très loin du Cap d'Agde, on a une heure. On n'est pas très loin du Cap d'Agde ici. On n'est pas loin du Cap d'Agde, mais l'eau est quand même assez fraîche. Donc je pense au Cap d'Agde, enfin partout, ça va être facile comme ça, je pense, le temps. Mais voilà, c'est pourquoi qu'il y a des personnes. Pas grand monde qui se baigne. Enfin, là-bas, il y a du monde là-bas, mais on voit pas beaucoup des gens dans l'eau. Moi je vois du monde, mais pas dans l'eau, c'est au bord. Enfin moi je mets les pieds dans l'eau, mais bon, voilà lol. Il y a personne dans l'eau, il y a personne dans l'eau, mais je ne suis pas baigné, je mets les pieds dans l'eau. Parce que sinon se baigner, c'est. Bon je vais peut-être me baigner tout à l'heure, mais elle est froide l'eau quand même aujourd'hui. Elle est froide, je filme un peu dans l'eau, que chose que c'est jamais fait et qu'il faut éviter de faire. Mais bon, je fais très attention, je l'ai jamais fait, mais. Je l'ai fait, je l'ai jamais fait, mais. J'essaye de bien m'en sortir. Je l'avais fait quand j'étais mon vlog surprise au lac de Cavaillère, ça je l'ai fait. Mais voilà, je l'ai fait aussi, mais sauf qu'elle était deux fois plus meilleure. Voilà, je l'ai fait, mais je fais très attention parce que j'ai déjà fait la Cavaillère. Mais sinon, ça a été. Voilà, elle est froide, mais elle est bien. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, il y a de la musique, mais c'est rien, c'est le camion là-bas au fond. Donc, excusez-moi si vous entendez la musique au fond, c'est le camion qui fait de la pub pour la pub. Ben, la pub, parce que vous savez qu'il va y avoir un spectacle ce soir, la vachette, toi pas la vachette, bon moi non, on s'en fiche, on a la pub, mais un
spectacle va se passer ici, là, ce soir, sinon. Presque 24 heures, donc on s'en fiche de ça. Mais bon, au moins, on peut profiter. Bon, personne ne se baigne, hein, regardez, les gens, ils mettent leurs pieds dans l'eau, un peu comme moi. Mais sinon, personne. Les gens, ils sont sur la plage, hein. Les potes de secours sont bien évidemment ouverts, hein, parce que l'eau est bonne ou que l'eau est froide, ils mettent quand même les potes de secours. Mais on a un magnifique ciel bleu, mais que le soleil a du mal à chauffer. Donc je vous rappelle la saison. La saison est en peu des feux. Ne vous inquiétez pas pour la saison, il n'y aura pas de feux, mais on aura de temps en temps. Mais voilà, de temps en temps. Bah pour vous montrer que c'est un endroit qui me plaît, voilà un bel endroit, et bah là je vous ferai un vlog, mais sinon le reste je fais pas de vlog, j'en ferai aucun dans... Mais quand il y a un endroit qui me plaît, bah j'en ferai un. Mais la vraie saison sera d'avril à septembre, donc du 15 septembre au 1er avril, enfin du 1er avril au 15 septembre, bah ce sera la série des... La saison des vlogs, il n'y aura pas que des vlogs sur Tomatis Youtubeur. Comme ça, il y a plein de choses, hein, toute l'année. De toute façon, de la mégapolis, ça va être toute l'année. Les vidéos des tentes, ça va être toute l'année. Mais vous savez que les vlogs sera la meilleure période de l'année. Donc d'avril, la période que les périodes que j'aime beaucoup. Donc la période que j'aime beaucoup, c'est moi. D'avril à septembre. Donc voilà, donc la saison, je pense que c'est la dernière vidéo de la saison. Cette année. Ne vous inquiétez pas de Nathalie Favreau, il n'y aura pas de vlog, mais elles vont être mises dans la playlist de vlog. Toutes les vidéos que vous savez de Nathalie Favreau, ceux qui connaissent, il y a une playlist de vlog. Bah, du coup, la playlist, donc il y aura une playlist de vlog sur Tonton Matisse Youtubeur. La playlist de vlog, bah, comme c'est les deux chaînes YouTube, Nathalie Favreau et Tonton Matisse Youtubeur, c'est les mêmes. Bah, c'est moi qui garde les deux. Du coup, comme les vlogs se font uniquement sur Tonton Matisse Youtubeur, il y aura quand même des vidéos sur la série. Enfin, sur la playlist, donc la série vlog sur Nathalie Favreau. Il n'y aura pas de vidéo, mais je les mettrai sur la playlist de la série vlog de Nathalie Favreau. Mais bien sûr, il y aura quand même une playlist sur Tonton Matisse le youtubeur. Ah, ça fait vraiment du bien de mettre les pieds dans l'eau. En fait, au début, il est froid, mais là, je commence à remuer, donc ça commence à aller mieux. Je vais pas tarder à me baigner sur ce talon tout à l'heure. Il y a à me baigner tout à l'heure, je pense. Bon, c'est sûr même que je vais me baigner, mais pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite, plus tard. Mais elle est vraiment calme, moi. Par rapport au Cap d'Agde avec la mer agitée, là, bon, j'aime bien quand il y a des loyers agités. C'est marrant et tout, on rigole bien. Mais là, ça va être aussi marrant. Enfin, c'est pas que ça va être marrant, c'est que ça va être bien aussi. Même si l'eau est un peu froide, voilà, on va quand même profiter, hein. On n'est pas non plus au mois de février où il fait le plus froid. Le mois de février, c'est le mois que j'aime le moins. Moi, janvier, février, j'aime le moins. Au mois de mars, il fait froid aussi, bien évidemment. Janvier, février, j'aime. C'est pas que j'aime pas, c'est parce que je suis froid, donc c'est une période que j'aime le moins de l'année. Mais j'aime bien quand même, hein, évidemment. J'aime bien quand même car j'aime tous les mois de l'année. Le mois de mars, ça commence à aller mieux parce que... Bon, il fait encore froid au mois de mars, mais ça commence... La météo commence à devenir meilleure. Mais moi, avril à septembre, alors là, c'est vraiment un très beau temps. Avril à septembre, donc pour la meilleure période, c'est la série des vlogs. Vlogs vacances, voilà. Ça, vlog... La saison des. Pas la saison des vlogs, mais la saison. Alors, saison estivale des vlogs. La saison estivale, donc ça va durer jusqu'au mois de septembre. Mais vous inquiétez pas. Ça, c'est comme une des dernières vidéos des vlogs. Parce que vous savez, faut savoir que les vlogs ont commencé par quand je suis parti en vacances dans le nord de la France. Bah, dans le nord, voir ma mamie. Ça va commencer sur Nathalie Favreau. Bah, la saison avait commencé à ce moment-là. Donc, voilà, c'est la à liker, à laisser des commentaires et surtout à abonner mes amis avec mon bye. Voilà, c'était mon vlog quand je suis arrivé à la plage. Je suis plus au Cap d'Agde, mais que je suis encore à la mer, mais pas au même endroit, à Port-la-Nouvelle. Allez, bye bye tout le monde, on se retrouve une prochaine fois pour un autre vlog.